Bonjour à tous, bienvenue au Hub des Territoires et toutes nos excuses pour la petite attente en ligne et dans la salle, puisqu'on a eu un petit sujet de lien qui n'était pas, qui n'était pas correctement connecté. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui au Hub des Territoires. Comme vous l'avez vu dans le petit film d'introduction, le Hub des Territoires, c'est vraiment notre lieu pour concrétiser et valoriser les projets de territoire des collectivités locales avec lesquelles on travaille, des bailleurs sociaux, et de pouvoir faire dialoguer en fait les acteurs publics et privés dans un dispositif où on peut se rassembler, alors physiquement, puisqu'on a aujourd'hui quelques participants dans la salle, même si vendredi matin c'est plus compliqué d'avoir des gens en présentiel, et beaucoup de participants en ligne pour nous écouter. Si vous souhaitez retrouver la programmation du Hub des Territoires, parce qu'on va aujourd'hui parler de tiers-lieux, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont évoqués, le lien sera mis dans le chat et on a aussi des QR codes dans la salle pour ceux qui sont en présentiel. Depuis 3 ans et demi, une centaine d'événements ont été organisés au Hub des Territoires qui ont réuni 6 000 participants. Et donc, on est heureux aujourd'hui de contribuer à l'augmentation du nombre de participants dans le cadre d'un cycle que nous avons démarré en février sur le sujet des tiers-lieux. Donc, on a déjà parlé de foncière et d'accès au foncier. On a parlé d'intégration de la transition écologique dans les projets urbains avec le collectif Nouvelles Urbanités qu'on a reçu au mois de mars. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir pour un format plus intime et plus et plus concentré Pierre Jeannot, coordinateur général du réseau TELA, les tiers-lieux de la Creuse, et Vianney Delorme, cofondateur d'El Lingeur Paris, puisque nous avons produit ensemble deux supports vidéo et écrits pour valoriser justement ce qui se passe dans les territoires et la façon dont les sujets de transition écologique et plus largement des transitions sont explorés, concrétisés, partagés, essaimés par un certain nombre de lieux dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc on est ravis de continuer ce cycle qui se prolongera en mai avec les questions de fabrication et d'industrie et qui se prolongera également donc, qui se prolongera pardon en mai avec les questions d'industrie et en juin avec les questions de fabrication distribuée. Si je dois donner un cadre un peu général, l'idée c'était qu'on voulait raconter de façon un peu différente ce qui se passe dans les territoires autour des tiers-lieux. Et vraiment, le verbe raconter n'est pas pris au hasard, puisqu'on n'avait pas envie de donner des chiffres techniques, on n'avait pas envie de parler de la façon dont ça s'est monté, dont ça s'est financé, mais vraiment de raconter ce qui se passe entre les acteurs sur un territoire quand on commence à créer du réseau, à créer des liens et à former une communauté. Et peut-être avant de démarrer les premières questions et de voir comment on a choisi d'illustrer tout ça, Pierre, un petit extrait de la vidéo. Avec plaisir, oui. Nous, ce qu'on porte comme discours, c'est que on n'a plus rien à perdre d'essayer et d'expérimenter. Je veux dire, au pire, ça va marcher, en fait. Et c'est le plus gros risque qu'on prend, quoi. Du coup, sur le tracteur, il a tout le temps un triangle mâle qui est à demeure dessus, dont il peut contrôler l'inclinaison avec un troisième point hydraulique. Et tous ces outils sont équipés de triangles femelles qui s'emboîtent. Et donc, ce qui lui permet là d'atteler en quelques secondes sans descendre du tracteur. Et hop, et il y a un petit loquet qui vient bloquer l'outil en position. Et comme ça, il peut repartir et il attelle en quelques secondes. Avec un système plus classique de broche, il faudrait qu'il descende, qu'il mette les broches, qu'il bouge l'outil à la main, etc. Avec l'expérience du portage du projet de l'Ermitage, c'est que très rapidement, avec un collectif qui se constitue et qui cherche
à lui donner un avenir qui est ancré dans son époque, on peut lui donner un usage collectif et on peut en faire un outil commun qui reconstruit du lien social et qui construit une relation entre le maire, le conseil municipal, la commune et les habitants. Le tiers-lieu, en ça, dans une friche, c'est une option, une opportunité plutôt qu'une contrainte. Si on développe ce concept sur les 36 000 communes françaises, dans les intercommunalités, on peut construire une nouvelle page de l'histoire de France, mais ça ne se fera pas sans les élus. Alors, c'était juste un extrait, hein, puisque le documentaire dure évidemment plus longtemps. On aura un deuxième extrait dans le cours du débat et de la discussion. Est-ce que tu peux du coup commencer par nous raconter pourquoi d'abord, pourquoi le format documentaire et la façon dont tu as choisi de raconter l'histoire autour de la transition écologique et de la façon dont les tiers-lieux contribuent à ça et voilà. Bah avec plaisir. Donc le format documentaire, déjà, il a été choisi pour le parti pris possible, puisque c'est pas du reportage. Le principe était vraiment d'aller collecter avec une écriture et en fait une singularité dans la proposition tout ce qui pouvait se passer de manière plutôt fondatrice des réalités de transition écologique. Donc en gros, ce que j'essaye de dire maladroitement, c'est qu'il y a des gens qui réussissent à faire des trucs et puis il y en a d'autres qui galèrent. Et en fait, là, ces gens-là ont arrêté de galérer. Donc le parti pris, c'était de dire qu'en tant que entre guillemets réalisateur, on pouvait placer un réseau de tiers-lieux, donc en fait des gens qui sont au quotidien les mains dans le cambouis, les mettre en mode créatif, au-delà de leur création de lieux, mais bien créatif de documentation qui peuvent servir aux autres lieux. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait les gens, ils en ont plein la mitre et du coup ils peuvent le mettre en application avec une caméra. Nous, on forme les gens des tiers-lieux à prendre les caméras, à prendre les zooms et à aller enregistrer des témoignages audio. Et aller enregistrer là-bas, et aller enregistrer de la vidéo aussi, et pour pouvoir donner à son prochain en fait des méthodes, des tutos, etc. Donc là, le film, il est de dire, on emmène les gens des tiers-lieux de Creuse, filmer des expérimentations qui sont passées à l'ordre de la réalisation concrète sur les transitions écologiques. Donc ça, c'est la démarche. Voilà. Pour l'instant, ça va. C'est bien. Je peux être plus précis. Hein. Et du coup, c'est aussi le côté, effectivement, sur la partie pédagogique, c'est que le contenu et la façon dont le contenu est filmé et mis en relation, enfin les différents contenus sont mis en relation, ouais. Permet aussi d'apporter un outil pédagogique pour les tiers-lieux au-delà de la formation pendant la production. Ouais. Alors, en fait, il y a deux entrées. Il y a l'entrée de sortir du schéma des tiers-lieux qui sont souvent expliqués par l'intermédiaire d'individus. Donc en fait, là, on est bien sur des dynamiques et sur des réalisations de projets. Et en fait, on arrive à plus parler des gens dans les tiers-lieux, mais bien des projets de tiers-lieux ou des projets de transition écologique. Donc ça, c'est intéressant. On n'oublie pas que ça se fait avec les gens et par les gens, mais on arrête de personnifier les projets et les transitions. Et l'autre entrée, c'est de se dire que dans ce contenu-là, en fait, il y a un volet pédagogique par un parti pris de gens de terrain qui est donné donc, en partenariat grâce à la Banque des Territoires, en fait, comme contenu à des futurs élus ou à des élus, et puis à un plus large public qui se dit « mais qu'est-ce que c'est ces tiers-lieux ?» Ben là, concrètement, en fait, on a une application et donc on peut avoir une diffusion plus large grâce à votre réseau, grâce au nôtre et grâce à tous les autres réseaux qui vont le partager. Donc en fait, le format vidéo est absolument bon. Et du coup, ça a amené aujourd'hui à développer une pensée de multiplier cette entrée vidéo et de faire un catalogue, entre guillemets, d'éducation populaire, de documentaires à parti pris sur les transitions en général qui se passent dans les tiers-lieux. Donc là, on parle de transition écologique. Aujourd'hui, on aborde vraiment la question de la citoyenneté de demain. On aborde aussi qu'est-ce que veut dire se déplacer aujourd'hui, mobilité douce et intelligente en milieu rural par exemple, etc., etc. Donc en fait tous ces thèmes-là vont pouvoir être travaillés à partir du moment où ils sont repris dans les tiers-lieux comme une proposition de transition pour demain. Je peux intervenir ? Vas-y. Le film dure combien de temps ? Alors ce format-là, c'est un format de 18 minutes.
Je pense que c'est une moyenne plutôt chouette parce que en fait, ça donne un temps assez court pour pouvoir avoir le temps d'aller jusqu'au bout, même sur le temps d'un déjeuner. Ça permet le temps du débat en EducPop, c'est-à-dire qu'en gros, la diffusion permet d'avoir une heure derrière de débat ou plus, mais au moins une heure parce que ça fait une heure et demie comme format avec le film. Et puis surtout, ça permet de le transmettre assez facilement, c'est-à-dire que 18 minutes, on peut essaimer le film, l'expliquer, donner l'outil d'animation de débat derrière la projection. Et donc là, vous êtes sorti de la Creuse, parce que toi, tu es coordinateur d'un réseau en Creuse, ouais. Vous êtes allé déjà dans le 60, vous avez visité combien d'endroits ? Parce que on a vu un court extrait, mais ça donne super envie d'en savoir plus. Oui, donc de toute façon, le film, je vous invite à le regarder jusqu'au bout, mais il est sur le site de la Banque des Territoires, et puis il y a une chaîne Vimeo aussi du réseau Tella. Et du coup, on a fait 5 lieux. Alors c'est vraiment pas exhaustif en termes de propositions, mais en fait c'était 5 parties pris où en fait la réalisation était concrète et les acteurs étaient hybrides, variés. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de singulier dans chaque projet. Donc après je vous invite à regarder le film, mais on est allé à l'Ermitage au nord de Paris, on est descendu voir le centième singe, on est allé dans la Drôme. À l'atelier paysan, on a fait un stop à Paris par la prairie du canal La Sauge. On est passé en Creuse aussi, voir à Saint-Moreil, en fait, comment est-ce qu'on gère une forêt collective. Voilà. Passionnant. Oui. Et il y avait plein d'autres adresses, mais du coup, il y a plein d'autres épisodes, peut-être. Probablement. Mmh. Ouais, on espère. Et donc ça, c'est la version film. On a aussi exploré, du coup, avec toi, Vianney, une autre façon de découvrir le territoire et de le raconter, qu'on a, du coup, incarné dans un document qui prend une forme plus traditionnelle, on va dire, écrite, avec plein de photos et très illustrées. Mais pour faire ça, en fait, on a surtout marché ensemble. Absolument. Donc bonjour à tous, je suis Vianney Delorme du Média Culturel En Large Jour Paris, qui est un média grand parisien. Et effectivement, la question qu'on s'est posée ensemble, c'est déjà en point de départ, c'est en fait les tiers-lieux, pourquoi est-ce qu'on en parle autant et comment en parler ? Comment donner du grain à moudre et avoir des tiers-lieux au-delà de ce qui est un peu un mot-clé. Nous, notre réflexe comme journaliste du territoire, c'est de dire, mais de toute façon, il faut se déplacer et le meilleur des déplacements, c'est le déplacement à pied et en transport en commun. On prend le temps et on sort des axes les plus, les plus rapides, les plus fonctionnalistes. Et donc, ce qu'on a proposé effectivement de monter avec la Banque des Territoires, c'est une espèce de... On a appelé ça un voyage dans l'archipel des tiers-lieux. Parce que des tiers-lieux, il y en a partout. Il y en a de plus en plus. Et c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? À qui s'adresse-t-il ? Dans quel territoire s'implante-t-il ? Quelles sont les équipes qui les portent ? Enfin, c'est quoi les ingrédients d'un tiers-lieu ? On s'est aussi demandé... qu'est-ce qui ferait qu'il serait encore là dans 100 ans ? Non, là, j'exagère, dans 10 ans. Et donc, on a commencé par envisager déjà d'aller comprendre les territoires ensemble, les territoires dans lesquels un certain nombre de tiers-lieux se déploient. Et par exemple, on est allé passer une journée en mode... Là, c'était en mode séminaire avec des collaborateurs de la Banque des Territoires. On a fait une journée de marche à Marseille. Notre objectif, c'était le Lika, qui se trouve, on dirait un petit ours un peu, mais le dessin que fait la balade. Tout en bas à droite, le point d'arrivée, c'est le Lika, laboratoire des tiers-lieux consacré à l'intelligence collective artificielle, qui était en cours de création. Et on est parti du Vieux-Port, hein, vraiment la démarche touristique traditionnelle. Et on a fait ce qu'on appelle une large partie d'Euromède et des quartiers nord pour aller découvrir des territoires en pleine mutation. On est dans l'ancienne zone ouvrière et artisanale de Marseille. Et on est allé voir le carburateur, l'épopée, la plateforme, qui sont des lieux dans lesquels on apporte de la formation aux étudiants et aux habitants. Et on a voulu comprendre dans quel paysage urbain et social tout ça s'inscrivait, pour vraiment ne pas juste rentrer dans un lieu, rencontrer des gens passionnants et des équipes hyper inspirées, etc. Mais essayer de se faire une journée d'études de la forme urbaine, de l'urbanisme, du contexte, pour dire, voilà, ah oui, on comprend mieux pourquoi l'épopée est là.
Il n'y a pas qu'une question de foncier disponible, il y a une question d'habitants autour, il y a une question de réseau, il y a une question de tissu associatif. Donc voilà, c'est ce qu'on avait voulu montrer avec cette balade des tiers-lieux. Et puis, on avait fait la même chose à Saint-Denis, autour du 6B, avec une balade pour des professionnels et une balade pour des habitants aussi, pour montrer des colliers de perles de tiers-lieux, chacun avec leurs spécificités, certains s'adressant à des artistes, à des salariés, à des habitants qui voulaient se former, etc. Comment ça résonne ensemble? Donc c'était déjà ce qu'on voulait, déjà en suant un peu, en marchant, on voulait prendre un peu cette mesure-là. Et puis ensuite, ça a donné effectivement les carnets de récits de territoire. Et du coup, les balades, c'est pas facile à raconter. Mais surtout quand c'est écrit. Mais l'idée du coup du carnet de territoire, c'était aussi de raconter les gens qu'on a rencontrés sur le chemin et dans les lieux. Et du coup, c'est un carnet sur ces trois sites qu'on a visités, et notamment un qui fait le lien entre les deux productions, puisque on est les deux, on tournait autour du Centième Singe, on va dire, qui est un tiers-lieu sur l'agriculture durable en banlieue de Toulouse, si on peut dire. Grand Toulouse, dans l'ancienne ceinture maraîchère comestible agricole. Et du coup, comment ça se raconte à l'écrit, et comment est-ce qu'on a transposé en fait ces réseaux et ces communautés dans les récits de territoire? On est parti ensemble en se disant les tiers-lieux, on lit dans la presse que c'est une aventure formidable. On a souvent des démarches assez génériques, assez transversales. Toi, l'approche du tiers-lieu, c'est un phénomène de société. Le Covid a amplifié l'importance et la compréhension des tiers-lieux. Les élus, très souvent, sont favorables aux tiers-lieux. On est rentré dans... et puis, on parle beaucoup des lieux. Et on parle beaucoup d'urbanisme transitoire, de foncier disponible. Nous, on a voulu rentrer complètement par autre chose, qui était effectivement présenter trois situations différentes. Donc, on a parmi toutes les situations possibles, on en a choisi trois. Une à Marseille, effectivement très orientée, je l'ai dit tout à l'heure, le LICA, qui est un tiers-lieu qui maintenant va ouvrir en fin d'année 2023. L'intelligence collective et artificielle, c'est comment on forme les gens à être des acteurs de la transition écologique et à se former. Tu l'as dit à l'instant, Toulouse, c'est autour de la question agricole et maraîchère, puisqu'on est dans l'ancienne ceinture productive qui est en train d'être urbanisée. Donc comment on aide des agriculteurs à s'installer? Formation. Vianney, je peux te couper juste, mais c'est dans tout ce que tu expliques qu'on prenne bien en compte, parce que si les gens, ils ont en termes de notion de temps et de temporalité une donnée à savoir, c'est que tout ça a une dizaine d'années, des fois une quinzaine d'années de réflexion, et que les acteurs, ils débarquent pas depuis un an. Absolument. Et redis-le, parce que du coup, c'est très précis dans ce que tu dis, dans ce que vous êtes allé visiter, c'est que la notion de temps, elle est inhérente au projet, quoi. Voilà. Absolument. Et le Centième Singe s'est porté, et c'est le sujet, c'est-à-dire que on parle souvent des bâtiments, et nous, on a voulu mettre le focus, la focale sur les gens. Par exemple, au Centième Singe, Amandine Largeau, ça fait 15 ans qu'elle réfléchit à ces sujets-là. Donc il y a à la fois de la compétence et aussi une capacité à s'inscrire dans le temps long. Donc au-delà, c'est pour ça qu'en fait toute notre démarche, c'est au-delà du phénomène de mode dont on a envie qu'il soit pas un phénomène de mode mais pérenne, c'est quoi les graines? Sur quel terreau tout ça a poussé? Et pour finir, le 6B par exemple, pour reboucler avec ce que tu viens de partager sur la question du temps long, c'est un lieu qui est investi, le 6B à Saint-Denis, c'est un lieu qui est investi par des artistes en 2010. Et pendant des années, ils savent pas au bout. À chaque fin de semaine, ils se disent chouette, on s'est pas fait virer. Et puis ils mettent 5 ans à avoir des premières relations avec les voisins, et puis 8 ans à avoir un début de solution pour la rénovation de leur bâtiment. Et aujourd'hui, c'est une institution que tout le monde visite et qui va être au cœur de l'Olympiade culturelle et des Jeux Olympiques. C'est dire le chemin parcouru, en tout cas, c'est depuis une forme de précarité jusqu'à des années de réflexion sur pourquoi on est là, comment, pour qui on est là,
comment on va tenir. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Donc, ce voyage dans le... Donc, effectivement, donc on a construit ça comme un magazine. On peut dire un peu comme Oui Demain. Enfin, un magazine. On voulait que ce soit hyper sympa à lire. Il y a des magnifiques photos produites par Jérôme Derini qui fait partie de la commande d'État de la BNF. Hein, donc, grande commande nationale. Vous voyez, bah, ça, c'est Marseille. C'est une ancienne bastide transformée en tiers-lieu. On va... Je ne sais pas si... Ah, bah, j'ai fait sauter le PowerPoint. C'est bien. Mais on a voulu présenter un magazine qui racontait à la fois des lieux, des équipes, et puis qui donnait des, quand même, tu parlais tout à l'heure des questions d'argent et de montage. En fait, il s'agit aussi de dire que c'est des gens, c'est pas des diplômés Bac plus 25 qui montent des tiers-lieux, c'est des gens issus du territoire, qui se rencontrent et qui veulent porter un projet et qui apprennent les outils administratifs, qui apprennent la compta, qui apprennent à discuter avec l'URSSCOP, qui apprennent à discuter avec la Banque des Territoires, qui apprennent à monter des projets. On a voulu le montrer aussi. C'est hyper important de voir que, bah, en fait, on est dans le cambouis jusqu'au coude, jusqu'aux épaules, et que ça s'apprend et ça se fait. Voilà, donc voilà ce qu'on a voulu raconter. Avant de voir un deuxième extrait du film et puis du coup de regarder plus précisément ce qu'on a raconté sur chaque lieu et ce qu'ils apportent au territoire, moi j'avais envie de vous faire réagir à une petite phrase que j'aime beaucoup et qui est au tout début du documentaire, qui est on a expérimenté et au pire ça marche. C'est un peu le leitmotiv de beaucoup de tiers-lieux, de ceux qu'on a visités, de ceux que toi t'es allé filmer. Comment est-ce que du coup on peut passer aussi cette envie d'expérimenter, le fait que l'expérimentation c'est pas... d'abord ça peut mener à un échec, ça c'est, voilà, c'est le principe, au pire ça marche. Mais du coup comment est-ce qu'en racontant... ce qui c'est, la façon dont ça a été expérimenté, on peut aussi inciter d'autres lieux ou d'autres acteurs du territoire à rentrer dans ces démarches. Déjà, c'est d'arrêter de considérer que le fait que ce qui ne marche pas est un échec, puisque ça, du coup, c'est un postulat, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une expérimentation qui n'est pas concluante. Voilà. C'est pour autant pas un échec. En tout cas, c'est pas péjoratif quand ça ne marche pas. Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les tiers-lieux ne sont pas essaimables dans un modèle, mais bien en fait dans une dynamique, une méthode et une pensée. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est clairement un monde dans lequel l'individu existe, et donc en fait, l'entrée dans les tiers-lieux est individuelle. C'est une pérégrination individuelle, une espèce de déambulation comme ça qui tend vers une expérience collective. Et une fois qu'on a une forme de réalité individuelle concrète, qu'on a trouvé notre porte d'entrée, que ça soit par, si on parle d'écologie, de jardin partagé, de maraîchage, de... Bon bref, peu importe. Ensuite, on rentre dans le projet collectif. Et en fait, là, en fait, on rappelle au bon sens de la vie associative et du vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, on parle d'une citoyenneté, parce qu'en fait, on est vraiment sur une réappropriation du pouvoir d'agir citoyen, simplement, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, le tiers-lieu et les politiques tiers-lieux existent. Puisque ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que la notion de temps, alors de temps long et je dirais même de temps très court à long terme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de réaction et de mutation permanente de ces lieux sur les territoires qui répondent en fait à des besoins de territoire très concrets. La notion de territoire est à chaque fois rediscutée en fonction de là où il se trouve. Ça peut être sur un bassin de vie de 5 km de diamètre, comme sur 50. En fait, tout dépendra du lieu et de sa fonction et de son support social. Et là-dedans, en fait, les gens ont un pouvoir d'agir dans le lieu et sur ce bassin de vie. Donc après, nous, on aborde la notion de biorégion, en fait. Alors, soit par rapport... au lieu lui-même, soit par rapport à un réseau de tiers-lieux. Et donc, en fait, c'est cette méthode-là qui est essaimable. C'est ça qui va donner envie. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que je suis parti un peu comme ça, mais... Si, si. Bien net hein, sur le côté expérimentation de ce qu'on a pu voir. Chacun des lieux qu'on a raconté et dans lequel on a passé du temps, parce que tout ça, c'est à peu près un an. Ça s'est développé sur un an. On a mis un an pour choisir les endroits qu'on voulait voir, rencontrer les équipes, y aller une première fois, faire une rando, retourner, faire des entretiens avec les équipes, faire du reportage, etc. Donc, y a un an de réflexion, etc. Donc, ça, c'est le contexte. Là aussi, on était dans le temps long, enfin, un certain temps long quand même. Hein. Et
ce qu'on a pu voir, c'est qu'à chaque fois, c'est quand même la rencontre d'un territoire, d'une opportunité, d'une envie d'une équipe, et puis les accidents. Les accidents de l'histoire, des rencontres, mais les accidents au sens chimique, quoi. Qu'est-ce que, quand on met tout ça dans une éprouvette, qu'est-ce que ça donne ? Et ça a chaque fois donné des orientations qu'à mon avis, aucune des équipes créatrices, fondatrices n'imaginait. Et c'est ça qui est assez passionnant. C'est-à-dire que, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours l'envie d'être au service d'un lieu, d'un territoire, et même si on ne sait pas comment faire au début. Je pense vraiment au 6B. Le LICA, ils ne savent pas exactement encore comment ils vont s'insérer dans leur environnement immédiat qui est le quartier où il n'y a pas d'espace vert. Et eux, ils ont un jardin de 5000 m² en face de la gare Saint-Charles. Enfin, c'est un truc, c'est un miracle. Hein. Mais ils ne savent pas encore, cet endroit est un miracle. Enfin, il n'y a pas moyen de ne pas tomber amoureux, mais ils ne savent pas encore exactement comment ils vont être un lieu pour les habitants, parce qu'ils sont aussi un lieu pour la formation, pour les usagers divers et variés. Ils ne savent pas encore toutes les recettes. Donc, il y a à chaque fois de la recherche. Et donc, pour passer à, je crois qu'on a une question en ligne. Oui, il y a une question sur la formation à la vidéo. Comment vous avez accompagné les tiers-lieux ? Quel temps a été nécessaire ? Quel format ? Eh ben, c'est assez simple en fait à expliquer. Déjà, moi en tant que coordinateur de réseau, j'ai une formation de vidéaste à la base, mais plutôt côté Beaux-Arts. Donc du coup, c'est quelque chose qui fait partie de ma pratique pour documenter. Et du coup, en fait, le siège social du réseau de tiers-lieux est juste à côté d'une télé associative qui s'est montée de concert, pas en même temps que le réseau, mais presque. Et donc en fait, on a embarqué dans l'histoire de cette documentation la télé associative. Et du coup, dans cette histoire-là, on s'est dit, mais comment aller plus loin, en fait ? Comment est-ce qu'on rend les gens autonomes à documenter eux-mêmes leurs projets ou à aller documenter, en fait, des projets de pair à pair comme ça ? C'est en formant les gens. Donc là, du coup, on s'appuie sur le fonds de développement de la vie associative et on crée des formations avec cette télé associative pour les bénévoles du réseau de tiers-lieux à l'utilisation de la vidéo en captation et du coup au montage vidéo pour faire des courts sujets. Et en fait, on donne à l'exercice en fait, de savoir écrire, filmer, monter et in fine partager et animer en tant qu'outil d'éducation populaire ces formats vidéo. Donc en fait, on forme sur toute la chaîne. Voilà. Donc c'est des journées assez courtes, deux demi-journées, hein, enfin trois demi-journées en fait. Une à l'écriture, une à la captation, une au montage. Et ensuite, c'est de la répétition de l'exercice. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que vous donnez les moyens aux gens de faire leur récit. Absolument. Et on a fait la même chose sur la radio, puisque du coup, on forme les gens à monter des chroniques radio avec la radio associative qui est aussi à côté de chez nous et qui du coup, en fait, on apprend aux gens à aller interviewer, monter et on a créé des jingles ensemble. Et donc, on a une chronique radio du réseau de tiers-lieux creusois. Voilà. Ouais, et l'idée, c'est vraiment que du coup, tout ça... Alors, on a un peu pris l'initiative de regarder comment est-ce qu'on pouvait raconter tout ça, mais l'idée, c'est aussi que chaque tiers-lieu puisse... créer sa propre documentation et raconter son histoire en fait avec des outils professionnels de communication qui sont efficaces et qui leur permettent aussi de faire l'essaimage et du coup ça permet d'enchaîner. Absolument. Et on enchaîne discrètement sur le deuxième extrait. Juste pour compléter, c'est que le volet interactif, ludique, cinématographique de l'objet final à transmettre est hyper important parce que si on s'emmerde en regardant les choses, en les lisant ou en les abordant, en fait, on n'y va pas. Donc, en fait, vaut mieux pas être d'accord avec un film où il y a un parti pris bien franc, mais au moins, on peut en discuter. Voilà. Parce que si on fait une espèce de truc un peu déconnecté, tu vois comment les photos sont sensibles et que tu es fier, en fait, de la photographe. Bon, bah ça bastonne. On prend une cartouche quand on les voit parce que ça, voilà, il y a qualité, quoi. Et il y a une dimension politique aussi dans faire le récit de son aventure. Ou ouais. Comment on raconte ce qui se passe, et c'est hyper important qu'il y ait le développement de plein de grammaires comme ça, de carnets, de films, de radio, pour que la diversité, parce que c'est aussi ce qui fait l'intérêt des tiers-lieux, c'est la diversité incroyable des propositions des équipes des lieux, et effectivement qu'il n'y ait pas un récit unique de tout ça, ça paraît essentiel. Alors je vous propose qu'on regarde un deuxième extrait et qu'on commence à aborder la question de l'essaimage. Il
y a eu aussi cette idée de se dire qu'on ne veut pas juste rester une alternative technique à ceux qui ne se reconnaissent pas dans le modèle dominant, mais qu'on veut rentrer vraiment dans le rapport de force plus global et réfléchir à une transformation du modèle agricole plus vaste, qui n'est pas juste via l'agroéquipement, qui est nous notre fer de lance, mais qui peut se penser beaucoup plus loin dans les semences, dans les AMAP, dans la commercialisation, les circuits courts, etc. Il y a tout un ensemble qui a inventé pour changer le modèle agricole, si on s'y met collectivement et pas chacun dans son coin, juste à être, voilà, des alternatives dans lesquelles le monde paysan peut piocher, mais pas vraiment faire corps et aller un petit peu au front, quoi. Cette deuxième partie, on va dire, du débat et de la discussion, moi j'avais envie de regarder justement, on a commencé à parler du côté essaimage, outils pédagogiques, de comment on peut profiter de tous ces médias, en fait, pour essaimer. Moi j'aime bien une des phrases qui est la première de l'extrait, qui est en fait, on ne veut pas juste rester des alternatives ponctuelles à des pratiques courantes, on va dire, mais permettre aux gens de changer de modèle. C'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai sur plein d'autres sujets abordés dans les tiers-lieux. Peut-être, du coup, sur ce changement de modèle et le fait que ça ne reste pas des alternatives ponctuelles, qu'est-ce que, du coup, les réseaux... Enfin, le fait d'être en réseau, de se parler, de coopérer partout en France métropolitaine et plus, et outre-mer, et voilà, et éventuellement même en Europe, qu'est-ce que ça apporte au-delà des lieux qui, du coup, on l'a vu, hein, fonctionnent avec leur territoire et du coup communiquent avec leur environnement proche, mais comment est-ce que, du coup, le réseau apporte une vision supplémentaire, et comment est-ce que ça aide aussi toutes ces expérimentations réussies à aller plus loin, à essaimer et à faire des coopérations inter-territoires. En fait, ce qui est assez intéressant avec la notion de réseau, c'est vraiment de se poser la question de sa raison d'être. C'est quoi la plus-value d'un réseau ? Ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est pour répondre à ta question précisément et pas me perdre. C'est quoi la plus-value d'un réseau quand on parle de transition, par exemple, écologique ? Donc ce que Greg il dit là, à la fin, là, au niveau de l'atelier paysan, c'est de dire, nous, en fait, on apprend aux gens à construire, à souder, à tronçonner. Pourquoi ? Pour leur proposer d'être sur une forme d'autonomie dans la production agricole, soit en termes de bâtiments, soit en termes d'outils de production. Donc après, ces outils de production, ils sont adaptés à l'échelle de la production agricole et maraîchère. Et donc ça vient re-questionner la raison d'échelle. Donc du coup, l'échelle d'un réseau est hyper importante. Un réseau, il a une vocation à faciliter l'essaimage et à proposer des solutions quand l'échelle correspond à quelque chose d'utilisable. Donc en gros, demain, en fait, la plus-value d'un réseau, c'est quand le réseau il peut vraiment être utilisé tout de suite. Pas dans 10 ans, on s'en fout, ou pas pour faire des carrières de réseau, des carrières de coordinateur de réseau de tiers-lieux. Rien à faire de tout ça, quoi. Non, concrètement, demain, à quoi je sers ? Je suis le silent bloc de quoi ? Je suis la métavision de quoi ? Je suis ressource en quoi ? Et donc, en fait, on sent bien qu'en fait, il y a un pas de côté. On permet de faire un pas de côté quand on a un réseau. Et ce pas de côté, il est nécessaire pour avoir une vision, entre guillemets, un temps d'avance sur son projet de lieu, sur son projet de propositions dans les transitions. Voilà. Et donc, en fait, nous, on documente, nous, on fait de la veille, nous, on met en relation, nous, on fait du pair à pair. Et du coup, en fait, cette connexion, le fait d'être ce connecteur, ce facilitateur en termes de réseau, permet aujourd'hui, en fait, de développer, en fait, les bonnes pratiques et de les transmettre. Donc ça, c'est vraiment le réseau, ce qu'il propose.
Après, ce que le réseau propose aussi, c'est de regarder chaque lieu et de se dire qu'est-ce qui fonctionne sur un territoire et en quoi ce territoire se multiplie et en quoi, en fait, le développement de la localité d'un réseau, si on regarde cette localité multipliée, ça fait quelque chose de global, donc quelque chose de local. Et si tu repenses la localité en monde global, ça fait le glocal monde. Et en fait, toutes ces mini coopérations de territoire, en fait, tu les regardes et tu les interconnectes. Et en fait, là, on a un réel tissu de territoire, mais au niveau national, qui est très intéressante. Et si cette matrice, tu la considères comme un potentiel d'action par citoyen qui s'investit dans un tiers-lieu et qui, du coup, s'investit dans un territoire micro-local et qui, du coup, s'ils sont tous interconnectés, devient un territoire national, tu as un pouvoir citoyen énorme et donc tu as une force de proposition et de réponse par rapport à l'objet des transitions qui est énorme et donc sur tous les sujets. Il y a quelque chose d'essentiel dans ce que tu viens de dire, parce que souvent on envisage la question du réseau comme étant peut-être une démarche statistique pour montrer la puissance, l'ampleur, la réplicabilité. On entend beaucoup parler de ce terme, réplicable ou pas, etc. Et alors que effectivement, une des clés essentielles, c'est l'opérationnel. En quoi est-ce que la mise en réseau rend les lieux plus opérationnels au service du territoire? Et c'est là où ça devient passionnant. Et c'est ce qu'on a pu observer dans les trois lieux qu'on est allé un peu investiguer, chacun à leur échelle. Là, par exemple, on a sous les yeux le portrait, et on voulait absolument mettre en avant les personnalités des fondateurs, parce que vous voyez, sous chaque photo, il y a les compétences. Intelligence collective, expert de l'écosystème blockchain, créatrice du tiers-lieu, spécialiste du développement territorial, ingénieur en sciences et techniques de l'eau. Déjà, en soi, c'est un réseau. Ça, c'est un réseau parce que, par exemple, Cécile, elle a, tout à gauche, elle a bossé avec les parcs naturels régionaux, elle a travaillé sur les plans eau, elle apporte tout un carnet d'adresses. Donc ça, c'est la dimension carnet d'adresses et compétences. Et ensuite, chacune des personnes que vous voyez là, j'enfonce des portes ouvertes, mais on a vachement aussi intérêt à le rappeler, chacune des personnes qui sont là vient ensuite travailler en réseau avec les autres lieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit schéma de l'ours quand on avait arpenté Marseille, les 5-6 lieux qu'on est allé voir, ils ont ces carnets d'adresses et ces répertoires de compétences et ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble pourquoi ? Pour, par exemple, répondre aux appels d'offres des collectivités ou de l'État, pour pouvoir développer des formations spécifiques, pour pouvoir échanger des compétences. Et tout ça au service de évidemment de leurs finalités respectives, mais ils font plus. Là, on a la photo de la soucoupe volante du 6B à Saint-Denis. Vous voyez que le bâtiment est un peu austère, hein. C'est un ancien centre des payes et de l'administration de la société Alstom, abandonné dans les années 2000, et qu'un collectif d'artistes s'est approprié au début des années 2010. Et bref, aujourd'hui, c'est une pépinière artistique. Il y a, je crois, 180 artistes et artisans qui y travaillent, hein, qui ont leur lieu de travail. Ça génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour le territoire. Chaque point noir là, qui dessine le 6B sur la photo que vous avez devant vous, c'est un collectif ou un artiste. Donc c'est un monde, c'est une vraie ruche économique, hein, et de production. Mais là où je veux en venir, c'est qu'ils travaillent avec d'autres lieux d'Aubervilliers et de Saint-Denis, jusqu'à la Fondation Chanel, qui veut développer le travail artisanal dans les quartiers du 93 de la Seine-Saint-Denis, et tous ensemble ils développent des formations, ils ont ensemble collectivement récupéré le label Calliope qui permet de faire de la formation, donc de développer leur activité économique. Ensemble ils mettent en place des festivals, ensemble ils mettent en place des formations. Donc c'est là où il y a le réseau, en fait il est très concret, il est opérationnel, il est dans un territoire, ça met des années parce qu'il faut se connaître, il faut travailler vraiment ensemble, pas juste faire une plaquette pour dire on a fait un réseau. Mais c'est vraiment ce que nous ont raconté ces différents fondateurs et animateurs de lieux. Les réseaux les rendent plus puissants au service d'un projet que partagé entre différents lieux. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui sont vraiment intéressantes. C'est difficile de... C'est à la fois banal, mais c'est difficile de le faire percevoir, que c'est très opérationnel. Ce qui est assez chouette aujourd'hui, c'est de voir que depuis 25 ans, en fait, il y a une évolution dans ces lieux alternatifs
qui est très concrète, c'est-à-dire qu'il y a, des choses qui sont à montrer, il y a des choses qui sont à vivre, il y a de la culture, il y a de l'agriculture, il y a du culinaire, il y a des savoir-faire, il y a de l'artisanat, il y a du populaire, il y a de l'intellectuel, il y a de l'ingénierie, il y a du numérique, il y a tout ça. Et donc en fait, bac plus 25 ou bac moins 25, en fait, en effet, c'est l'intelligence collective, hein, c'est juste le fait de réfléchir à plusieurs, hein, parce qu'aujourd'hui on a fait tout un truc. Mais en fait, le savoir-faire ensemble, de manière intelligente, en poussant les projets, ça, ça existe dans les lieux. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, ça, en fait ? Ça, ça fait des, ça fait des territoires intelligents, parce que ça fait des territoires qui savent produire et vivre ensemble. Et donc, en fait, ça fait des territoires qui sont habitables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on peut venir et se dire, tiens, j'ai envie d'habiter là. J'ai envie d'habiter là parce qu'il y fait bon vivre, dans le sens où je peux éduquer, je peux grandir, je peux planter, je peux me soigner. Je peux rencontrer, je peux me cultiver, en fait. Et ça c'est les bases, en fait. Hein. C'est les bases des territoires. Et donc, tout ça, en fait, ça crée quoi ? Ça crée de la réappropriation, de rendre son territoire habitable. Donc, en fait, nous, on parle d'habitabilité des territoires. Et en fait, ça, c'est l'objet, je pense, des tiers-lieux. Et nous, en fait, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et c'est aussi là-dessus qu'on est allé rencontrer les autres. Et c'est là-dessus qu'on va documenter. Et Greg le dit à la fin dans l'atelier paysan, et Amandine l'introduit au niveau du film. C'est-à-dire, en gros, au pire, ce qu'on risque, c'est de réussir. Et de toute façon, au mieux, ce qu'on risque de faire, c'est de pouvoir montrer que de la production à la distribution, en fait, on est capable, mais pour la bouffe, mais comme pour n'importe quoi d'autre, on est capable, nous, de le faire aujourd'hui. On en a fait la démonstration. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur les photos que vous avez sous les yeux. Donc vous avez Jean-Clément Grisard qui est luthier, qui est venu à Paris parce que c'était à Saint-Denis, parce que c'était là qu'il y avait un marché pour son travail. Et il est devenu un des co-directeurs du lieu. Yann Bernard qui lui fait un atelier de réparation de vélos qui bénéficie à tout le territoire, au 6B hein, toujours. À côté, il y a un type qui s'est installé, qui a créé une boulangerie dans un endroit où il n'y en avait pas, dans un conteneur. Et là, vous avez à droite Warda Ouajara qui est une voisine qui s'installe qui vit dans le nouveau quartier qui a été construit, qui est sorti de terre depuis 10 ans autour du 6B. Et il n'y a pas énormément d'espace public. Et pendant des années, elle le raconte dans l'entretien qu'elle nous a donné, pendant des années, les habitants regardaient le 6B en se disant « Ouais, c'est un truc de bobo qui fait la fête avec des artistes. Quelle est notre place là-dedans » Et puis, à un moment, les gens du 6B ont dit ben, « On voudrait faire une collecte pour ouvrir un restaurant accessible à tout le monde. » Et les voisins ont apporté plusieurs milliers d'euros qu'ils ont collectés entre eux pour initier la fabrication du resto. Et ensuite, ensemble, je reviens juste en arrière, ensemble, ils ont travaillé sur les espaces publics du 6B. Donc ça, c'est des jeunes du coin qui viennent faire des battles de hip-hop dans le restaurant qui a été ouvert. Donc c'est un espace ouvert. Donc c'est pas, on rentre pas comme ça, mais c'est un espace qui est accessible. Ce que vous voyez là, c'est une ancienne friche au pied du 6B. Donc les conteneurs sont à gauche, là, avec la boulangerie notamment. Et tout ça, c'est un jardin qui a été construit par les artistes et les habitants, et notamment à l'issue du confinement. Donc il y a énormément de bacs de production. C'est de la végétalisation. C'est un ancien bidonville, hein. Donc, faut voir l'évolution du. Et juste pour finir sur la question du réseau, tu veux réagir ? Non, je voulais juste réagir sur le fait que ça, c'est des démonstrateurs, en fait. Ça nous permet aujourd'hui d'aborder des sujets. Mais ça n'est que des démonstrateurs. Et en fait, c'est dans la méthode répliquée. Et à chaque fois, dans le vécu, c'est singulier parce qu'en fait, ils apprennent à faire, ils apprennent à dire, mais en fait, on va pas être des bobos dans notre quartier ou dans notre immeuble. C'est pas ça ce qu'on veut proposer au monde, c'est pas ça ce qu'on veut vivre, en fait. Donc après, on est aujourd'hui obligé de se casser la tête pour retrouver la méthode de communiquer avec notre voisin. Et en fait, on en est un peu là. Non, mais je suis pas en train de dire que c'est une démarche, je dis juste qu'en fait, c'est une bonne question. Et en fait, je vois bien qu'on apprend à renouer, en fait, aujourd'hui, des contacts qui sont perdus, quoi. Tu as évoqué le mot tout à l'heure d'habiter. Et ouais. En fait, je pense que c'est le terme absolument clé. C'est-à-dire que, par exemple, les gens du 6B, ils peuvent pas travailler à Paris parce que c'est trop cher. Ils vont à Saint-Denis et là, ils se disent, mais en fait, on est dans quel territoire ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Effectivement, on a du foncier pas cher, mais c'est fragile.
on peut se faire virer demain parce qu'on peut construire un bâtiment, etc. Et dans le fond, c'est quoi habiter ici? Et toute la démarche, elle se fait avec le temps et parce qu'on a du temps. Et c'est ça qui est absolument fondamental aussi. Et là, juste pour aller un peu à Toulouse, donc là, on est devant les deux fondateurs du Centième Singe. C'est un tiers-lieu agricole qui a pour objectif de donner, c'est un peu ce que racontaient les gens dans la deuxième séquence de ton film, donner les clés, aider ce qu'on appelle des NIMA, donc des agriculteurs non issus du monde agricole, donc en gros des urbains ou des ruraux, mais qui sont pas fils de paysans et qui n'ont pas accès au foncier, de leur donner les clés pour s'installer. Et ils sont en train de faire là, pour le coup, un archipel, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des terres agricoles et ils aident des gens à faire, comme eux par exemple, qui sont en espace test dans la banlieue de Toulouse. On n'a pas l'argent, on n'a pas accès au foncier, c'est même pas qu'une question d'argent parfois. Et on peut, lui, il a travaillé dans l'ingénierie aéronautique, Camille Rabal, maintenant il vend des fleurs. Et en fait, c'est parce qu'il y a des tiers-lieux qui ont du foncier, qui vous apprennent à utiliser les outils, comme on voyait dans ton film, mais qui vous disent aussi, tu vas pouvoir tester pendant 6 mois ou 8 mois, et puis peut-être que ça n'a pas marché, mais tu ne vas pas repartir de ton expérience avec 100 000 euros de dette. Parce que le foncier, t'as pas besoin de l'acheter. Et c'est ça qui est le truc extraordinaire dans ce type de lieu. Alors, là où je voulais en venir, c'est que Amandine Largeau dit, bon, nous, c'est quoi notre mission? Est-ce qu'on est là pour construire une boîte à outils qui va être réplicable à l'échelle du territoire? Pas nécessairement. Les territoires, les espèces de laboratoires agricoles, ils ont du sens. Il en faudrait autour de chaque grande ville et puis dans chaque territoire rural, mais chacun a sa spécificité. Et ils essayent déjà d'embarquer 200 personnes à l'échelle du Grand Toulouse. Et ça, c'est son objectif. Ouais, et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, la position du Centième Singe par rapport à l'archipelisation de leur pratique fait que nous, on les a invités au mois de décembre à ce qu'on a appelé la nuit du réseau. Et en fait, on s'est mis dans une réserve naturelle un peu à l'écart. Et en fait, on est allé discuter de l'archipelisation en termes de production pour eux autour de Toulouse. Et du coup, ils sont venus en fait faire le connecteur par rapport au réseau de tiers-lieux en Creuse. Et comment est-ce qu'en fait, le fait de penser à un réseau en archipelisation permet de repenser un territoire global en mode de coopération de territoire? Donc des micro-coopératives de territoire pour en fait faire la même chose, mais en termes d'intelligence et de production en fait, production dans un territoire. Pas que alimentaire, hein. Je parle bien de production en fait, de produire son territoire. Je navigue dans les photos, voilà, c'est ça. Et dans la production du territoire, eh bien, il y a ça. C'est-à-dire, ça, c'est donc une étape de la tournée des tiers-lieux qui a eu lieu donc à la clôture de la fameuse tournée des tiers-lieux dans la banlieue de Toulouse. Et dans l'assistance, vous avez des habitants, vous avez plein d'élus qui viennent. Les élus, c'est absolument essentiel. C'est eux qui gèrent les PLU, les plans locaux d'urbanisme. C'est eux qui décident si des terres agricoles sont conservées, si des bâtiments vont être transformés en ceci ou cela, qui décident de faire des plans alimentaires territoriaux. Et donc, ils sont dans la fabrique du territoire avec les tiers-lieux. Et dans l'entretien qu'Amandine nous a donné, elle raconte le travail avec ses élus. Et il y a là aussi, vous avez des gens en formation, vous avez des voisins. Et donc, ça fait partie de la fabrique du territoire que tu évoquais. Et alors, il y a la forme festive, mais il y a des vrais ateliers, il y a des vrais moments de travail et de conception. Enfin, voilà, il y a tout ça qui est mis en jeu dans ces démarches-là, à des échelles qui sont vraiment... il y a le bon équilibre entre le tiers-lieu, c'est-à-dire un bâtiment, dans le fond, et puis une dynamique de territoire, et peut-être le fantasme du réseau, peut-être un peu trop surplombant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où tous ces projets se situent en termes de dynamique. Jusqu'où ils vont, qui ils embarquent, pour combien de temps. Enfin, il y a vraiment des bonnes questions comme ça. Alors, on ne l'a pas fait exprès, mais c'était la parfaite transition pour ma dernière question. parce qu'on en a parlé quand on a préparé le débat. On a beaucoup parlé des gens qui étaient déjà dans les tiers-lieux et le fait de produire aussi ces supports et de donner la possibilité aux gens qui font dans les territoires de raconter ce qu'ils ont fait, c'est aussi un moyen de permettre aux non-convaincus, on va dire, ou à ceux qui ne sont pas encore dans cette démarche de réappropriation de leur territoire, quelque part, de venir et du coup de se sentir concerné. Et ça fait partie des actions du coup du réseau,
sur le comment, et je pense aussi des tiers-lieux plus globalement, de comment on peut intégrer son environnement et aller chercher les autres, on va dire, pour faire une généralité. Je crois qu'on a une question dans la salle. Oui, j'aimerais intervenir. Je suis directeur général d'une SEM, d'une SP à la Montélimar. Et moi, j'aimerais apporter un témoignage différent. Là, il y a une pluralité des récits des tiers-lieux. Là, vous explorez la voie des tiers-lieux que j'appellerais collaboratifs et citoyens. Et il n'y a pas de marche. Mais je pense qu'il y a d'autres voies, et notamment de tiers-lieux dans le monde de l'entreprise qui est en train de se transformer. Moi, j'ai l'expérience et conduit des projets, par exemple, sur un tiers-lieu de santé assez innovant à Givor, avec qui a mobilisé 80 personnes, quand même, avec une forme nouvelle de pratique du soin et de la santé. C'était le cas aussi avec des entreprises et de l'économie circulaire. Plus récemment, la problématique du commerce physique et numérique est un vrai enjeu pour des villes moyennes. Et puis ensuite, il y a aussi l'idée de tiers-lieux autour d'ingénierie numérique et culturelle. Et ce que j'aimerais dire, peut-être que c'est deux philosophies différentes, mais qui peuvent se retrouver et qu'on peut trouver de nouveaux modèles économiques, de nouveaux concepts, de nouvelles manières de travailler qui, moi, j'appelle ça fixer un cap, c'est construire des actions et projets qui soient différentes. Alors, ce n'est pas le récit, je pensais écouter un récit plus général. Je vois qu'il est orienté sur une certaine forme, plutôt citoyenne, mais il faut aussi donner place à ces nouveaux modèles, parce que les projets dont je parle, c'est plusieurs millions d'investissements, mais c'est aussi des nouvelles formes. Un tiers-lieu de santé, 5 millions d'euros, un tiers-lieu numérique, 4 millions d'euros, etc., porté, bien sûr, avec l'aide de la Caisse des dépôts et des autres réseaux de SEM, mais je pense qu'il faudra qu'on puisse parler aussi de ces lieux, que, pourquoi pas, ces lieux de dialogue entre eux. Alors, c'est vrai que c'est pas l'angle, la partie économique n'est pas l'angle qu'on a retenu, mais dans les tiers-lieux et dans les réseaux qu'on a visités, il y en a qui sont des grosses machines économiques. L'épopée, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires autour de la formation et de l'inclusion. Le centième singe a un modèle économique. L'atelier paysan, pareil. Enfin, voilà, c'est... Je peux contribuer. C'est l'angle qu'on a utilisé. C'est l'angle de ne pas en parler, en fait. Non, mais c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, on parle bien pas de projet citoyen, mais vraiment de social, et comment est-ce que les lieux ne sont pas des bâtiments avec des murs et un toit, mais bien en fait des projets de faire tiers-lieu, et on peut faire tiers-lieu n'importe où, n'importe quand. En fait, c'est réapprendre à avoir une forme d'intelligence collective, à développer des projets qui s'inscrivent dans le vivant. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on prend en compte le soin ? Le soin, c'est un problème. Moi, je peux vous en parler. Aujourd'hui, pour soigner en Creuse, dans un milieu rural, en fait, il faut prendre rendez-vous 4 mois à l'avance, 6 mois à l'avance pour avoir un spécialiste. Donc demain, en fait, si on veut se soigner en Creuse, il faut sortir de Creuse. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire tiers-lieu aujourd'hui dans la santé en Creuse ? C'est des propositions d'innovation. Faire tiers-lieu, ça veut dire aujourd'hui comment est-ce qu'on innove pour les gens qui vont avoir besoin de se soigner. Ça veut dire concerter les gens dans le projet d'intégration de la patientèle dans leur projet de soins pour qu'ils puissent se soigner au mieux, au plus près et au plus précis. Et arrêter, en fait, d'être simplement dans la merde, sur les territoires abandonnés. Donc ça, c'est faire tiers-lieu. Après, on peut parler d'économie. L'économie, en fait, elle doit juste être au service de ce que le citoyen de demain, il a besoin. Et en fait, le citoyen, ce qu'il a besoin demain, en fait, c'est aujourd'hui se reprendre en main pour remettre en mode instinctif et simple sur ses territoires ses besoins pour vivre, habiter son territoire. Donc c'est ça l'entrée. Et après, on peut parler de la culture. Parce que si on sait se soigner et qu'on sait bien manger, en fait, si on est en train de loser chez soi et qu'on s'ennuie, en fait, eh ben, on ne va pas habiter son territoire. Donc demain, il faut pouvoir rencontrer l'autre en allant voir un concert, une conférence, un débat, du théâtre. Donc en fait, c'est tout ça ce qui fait habiter les territoires. Donc en fait, on parle exactement de ça, monsieur. Sauf que le volet économique, on va l'aborder à la fin. C'est-à-dire que d'abord le projet social, ensuite la méthode citoyenne, et ensuite on trouvera la thune. La thune, ce n'est pas un problème. Si on commence par aborder les axes des projets par l'argent, en fait, non mais c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est juste pour repréciser de là où on parle. En fait, il y a un faux débat. À chaque fois qu'on accompagne un projet de tiers-lieu, on pose la question, c'est quoi faire tiers-lieu dans le projet des gens ? Et ensuite, en fait, on les aide à trouver par là où est-ce qu'en fait le mode contemporain nous amène. Voilà. Et donc la santé, la culture, etc. Tous les sujets. Hein. Oui, il y a le 6B, c'est aussi un projet économique hein, pour aller
dans le sens que vous abordez, c'est un projet économique, c'est-à-dire des artistes et des artisans qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus avoir d'outils de travail, c'est-à-dire le foncier. Ensuite, la forme de la coopération, de la coopérative, des nouveaux modèles économiques, ça vient peut-être se superposer à ce qu'on appelle le tiers-lieu, qui est effectivement une démarche de mise en capacité des habitants, de remise en capacité des gens. Oui, moi j'aimerais réagir parce que je suis tout sauf quelqu'un du monde de l'économie. D'abord, il ne faut pas parler social, mais sociétal et culturel et même identitaire. Et je pense qu'on a un projet, vous parliez du projet de santé, on a travaillé sur un projet de santé. Par exemple, le problème peut se régler par exemple par la téléconsultation à distance. Il n'y a pas que la Creuse qui est distante. Il y a des quartiers très défavorisés de grandes agglomérations que je connais dans la région lyonnaise où ils sont aussi éloignés, sinon plus éloignés que la Creuse. Et c'est d'apporter des solutions. Par exemple, on a réfléchi à des solutions d'avoir des cabines qui permettent, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nommait, c'est que la distance physique n'est plus un obstacle et permet justement de collaborer de manière à des milliers de kilomètres. Et donc, comme on dit dans le théâtre, la conjugaison du lieu, de l'action et du temps n'est plus une règle. Et quand je dis par rapport à ça, c'est créer une nouvelle société, faire société, et un tiers-lieu d'entreprise, c'est aussi un lieu où on parle de culture. Par exemple, dans notre tiers-lieu qu'on a imaginé, eh ben, il y a un restaurateur qui fait de la cuisine inventive, etc. Il y a un menuisier qui fait de la maintenance, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas ségréger en disant il y a des tiers-lieux citoyens, etc. Et il y a des tiers-lieux, j'allais dire, de citoyenneté. La notion du tiers-lieu, c'est le troisième lieu. Hein. On a le lieu de l'habitat, on a le lieu du travail. Et le troisième lieu, tiers-lieu, c'est le lieu de la sociabilité qui peut être dans la culture, là. Je rappelle qu'aujourd'hui, devant son ordinateur, on peut travailler, se soigner, faire des loisirs, voyager, et donc on transforme l'espace. Et l'idée du tiers-lieu, pour moi, c'est justement, ou lieu tiers, si on veut, c'est de créer de nouvelles énergies collaboratives qui vont inventer de nouvelles relations. Et ne réduisons pas ça au champ de l'économie. En tout cas, et lors de notre parcours à Marseille, on a visité un site pendant la journée qui était un incubateur d'entreprise en réalité, et on s'est dit, est-ce que c'est un tiers-lieu? Et la situation sociale et politique, l'emplacement de cet incubateur, la situation socio-économique du territoire autour, la manière dont les portes étaient ouvertes aux porteurs de projets du territoire, la méthode employée par les animateurs de cet incubateur, nous ont fait penser que ça avait une tête d'hôtel d'entreprise et qu'en réalité c'était un projet de tiers-lieu très politique et économique en même temps et sociale, et qu'effectivement on avait bien eu raison d'y passer. Donc il y a des formes comme ça qui sont variées. C'est vrai qu'au début on s'est dit bon, c'est un endroit, on rentre, on badge, on se dit pas qu'on est dans un tiers lieu. En fait on était dans un endroit qui apportait des solutions énormes, mais sous l'angle des opportunités, enfin de la formation, de l'accès au capital, de l'accès au marché, de l'accès à l'outil, de l'accès à la connaissance, de l'accès au réseau, de l'accès au carnet d'adresses, de l'accès à des gens qui vous disent oui, tu peux le faire, etc. Et du coup, oui, effectivement. Mais ce n'était pas qu'un incubateur start-up comme on peut en voir plein. Il y avait vraiment une dimension en plus. Mais tout ça, il y a des frontières qui sont poreuses, en fait. Il y a des petites remarques en ligne en disant, est-ce qu'il ne faudrait pas préciser les concepts tiers-lieu et cluster? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose? Et puis, il y avait une autre question sur le lien avec les collectivités. Est-ce que ça conduit finalement ces démarches à recréer des communes? Là, je veux bien parler. Je pense que la dimension communale, elle est vraiment à questionner, parce que je pense que c'est une échelle qui est vraiment travaillable. Je pense qu'en termes de compétences, on a beaucoup de choses qui ont glissé de la commune à l'interco, comme d'agglo, etc. Mais du coup, ça vient écarter plein de relations possibles, parce que du coup, là où on se retrouve avec monsieur, c'est peut-être sur le fait qu'à un moment donné, c'est là où on se retrouve, justement. C'est là, c'est ces lieux, c'est des connecteurs. Et ce n'est pas un sujet de l'économie ou tout ça, c'est vraiment le lieu où on se retrouve. La notion communale permet de se retrouver. Si vous voulez, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que s'il y a des piliers fondamentaux à la méthode tiers-lieu, hein, et pas un bâtiment, c'est faire tiers-lieu, ça veut dire qu'il y a de la convivialité, forcément. C'est par la convivialité qu'on se retrouve. Ensuite, il y a un objet de perfection ou d'expérimentation. Là, c'est plutôt l'enseigne au-dessus de la vitrine. Et ensuite, in fine, c'est comment est-ce qu'on transforme les choses et que ça devient, quelque part dans un monde contemporain, économiquement viable.
Et là, du coup, on peut collaborer avec les collectivités, etc. Et ça, sur une notion de commune, ça permet d'avoir des coopérations de territoire qui sont intégrées aux besoins de territoire. Et donc, la dimension communale est travaillable. C'est-à-dire que, citoyennement, on peut être dans un conseil municipal. Au niveau de professionnel, on peut s'intégrer dans son territoire et avoir une production qui soit distribuée et respectueuse du vivant, en termes d'artisanat, en termes de déplacement. Au niveau culinaire, on peut avoir une production locale qui, au niveau communal, peut nourrir sa commune. Et là, du coup, on peut avoir une archipélisation aussi des choses. Donc, je pense que oui, elle est à re-questionner cette notion de commune, et c'est pas régressiste, hein, par rapport à tout ce qui nous attend demain, par rapport au climat, par rapport à l'énergie, par rapport à l'eau. Voilà. Et c'est pas, je suis pas un frondeur écolo là. Hein, je suis juste en train d'apporter une réalité. Et là, je dis qu'il y a des solutions qui sont abordées depuis 25 ans dans l'organisation et dans le tissu social et qui ont montré qu'économiquement, ils étaient viables et respectueux du vivant dans tout ce qu'ils proposaient. Juste la télémédecine, monsieur, l'expérimentation dans un milieu rural comme la Creuse a montré que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les gens ne vont pas se soigner. Les gens restent chez eux. Et juste le territoire creusois par rapport au territoire lyonnais, même reculé ainsi soit-il, je pense qu'il faut venir voir en Creuse, il faut venir voir où j'habite. On n'est pas à Lyon, on n'est pas dans la banlieue Lyon, on est vraiment en Creuse. Peut-être, du coup, on arrive à la fin de cette séquence. Je ne vais pas résumer tout ce qu'on s'est dit parce que ce serait trop long. Et puis, je ne suis pas sûre d'être capable. Mais clairement, on a parlé de temps, de coopération, d'essaimage. J'aime mieux le mot essaimage que reproduction ou réplicabilité. Qui en plus, est, je ne pense pas complètement entrer dans le dictionnaire par ailleurs, mais parce que l'essaimage, c'est aussi le côté la graine, elle pousse et elle s'adapte à son territoire. Donc voilà. Et peut-être, on pourrait aussi faire un mot de conclusion, mais moi, ce que j'aurais envie de retenir de tout ça, c'est qu'on a beaucoup parlé des tiers-lieux comme étant des phénomènes de mode. Tout le monde voulait son tiers-lieu et c'était un peu le leitmotiv. De beaucoup d'élus, il y a encore, on va dire, alors avant le Covid peut-être, en 2019-2020. Et je pense qu'on est en train de passer du phénomène de mode au phénomène de société. Et il reste encore un travail à faire, évidemment, pour que ce soit plus inclusif et que ça concerne plus de monde et que tout ce qui a été expérimenté et produit et réussi puisse s'essaimer plus largement. Mais je pense qu'on est en bonne voie. Un petit mot, un dernier mot, Vianney. Non, mais c'est en fait, je trouve que le terme que tu as employé tout à l'heure, apprendre à habiter là où on est, c'est un des éléments clés en fait, qui donne toute sa vertu, sa puissance et sa longueur au tiers-lieu, que ce soit pour des enjeux économiques ou de production artistique ou de vie culturelle. Et on est dans un monde d'hyperlieu, c'est-à-dire qu'on est à la fois connecté, entièrement connecté à des mondes digitaux très puissants dans lesquels on vit vraiment. Et en même temps, la réalité, tu parles de transition écologique, donc la question de l'eau, la question de la vie, hein, la question de la nourriture, ça s'impose à nous, mais notre réalité, elle est aussi incarnée. Et donc la bonne échelle, c'est où est-ce que j'habite et avec qui j'habite. Et je trouve que tout ce qui a été évoqué, tous les gens qui ont été évoqués ce matin, ils contribuent à rendre les territoires habitables, à donner des lieux dans lesquels on peut habiter ensemble. C'est vraiment une dimension qui est incroyable. Oui, absolument. Et du coup, habiter son territoire, l'habitabilité d'un territoire... c'est sur la liste de tout ce qu'on a pu voir ensemble et dire depuis tout à l'heure. Ne pas oublier, et du coup je reviens un petit peu sur le volet travail-activité, ces lieux proposent de l'activité qui soit rémunérée ou non, mais en tous les cas c'est aussi en fait des accompagnateurs du projet économique des territoires, et donc en fait des gens qui ont envie de s'installer pour vivre, et donc habiter. Et donc, en fait, il y a aussi cet outil de développement économique qui fait à chaque fois partie des réseaux, des projets et des tiers-lieux. Et ce qu'on a réussi à faire, je pense, jusqu'à aujourd'hui, et là, c'est justement un point de bascule où il ne faut pas aller, c'est que, clairement, et ça, on le voit justement dans tout ce qui s'est dit, c'est assez une organisation de terrain qui propose, en fait, quelque chose en collaboration avec les politiques publiques.
Je pense qu'il y a une forme de coécriture, d'accompagnement là-dedans aujourd'hui avec les politiques publiques et les acteurs de terrain. Donc on n'est pas sur une politique descendante directement, mais par contre c'est accompagné. Et donc en fait, je dis juste qu'aujourd'hui, on n'a pas de fonction support de territoire, parce qu'on est le territoire, il ne faut pas devenir une fonction support, il faut continuer à faire tiers-lieu. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc en fait, là, le mot générique tiers-lieu, à partir du moment où il est utilisé et généralisé, en fait, il est un peu moins réel. Donc il faut que justement, on continue à être dans cet investissement de territoire brut, de faire demain, en fait. Voilà, de continuer à faire tiers-lieu. Merci beaucoup à tous les deux. Vous retrouvez en ligne le documentaire Les récits de territoire, donc, qui sont téléchargeables et qu'on pourra vous mettre dans le replay de l'événement. Et puis on vous dit à très bientôt pour la suite de nos explorations autour des tiers-lieux, notamment autour de l'industrie et de la fabrication. Bonne journée à tous.